wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flop. Vibrate the whole building. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information. Alors dans cette vidéo d'information, nous allons parler d'une éventuelle mise à jour qui arrivera sûrement la semaine prochaine. Alors Rockstar n'a en aucun cas confirmé qu'une mise à jour arrivera la semaine prochaine, mais je vais quand même vous donner les informations, alors c'est parti. Alors pour commencer, nous allons nous rendre sur le Twitter de FunMW2, le fameux modeur que nous connaissons tous. Donc il a posté un petit tweet disant qu'après l'événement les amis haut placés de cette semaine, un tout nouveau mode adversaire se nommant Rhino Hunt arrivera la semaine prochaine. Alors déjà rien qu'on voit le nom du mode adversaire, Rhino Tank et Hunt Chasse, donc une chasse au tank. Donc ce mode a l'air vraiment barbare et il va plaire à énormément de personnes, surtout à moi. Alors il y a deux possibilités, soit on est tous en tank et on se fait entre guillemets la guerre dans la map de Los Santos, ou alors il y a une équipe qui est à pied ou en voiture qui doit se rendre à un point et les tanks doivent tout faire pour intercepter les voitures ou les personnes et les buter. Donc je sais pas du tout comment ça va se dérouler, mais en tout cas ça a l'air vraiment très intéressant. Alors en plus de ce nouveau mode adversaire, nous aurons une nouvelle semaine de double RP et de double GTA dollar. Alors aucune information en ce qui concerne de nouvelles voitures, de nouvelles armes ou même de nouveaux vêtements, mais ce que je pense c'est que ça va faire comme la mise à jour de janvier. Je vais vous expliquer. Alors en janvier nous avons une mise à jour secrète qui n'avait pas été annoncée par Rockstar. Dedans nous pouvons trouver la Banshee 900R et la Sultan RS, mais la mise à jour était vraiment basée sur le tout nouveau mode de jeu, donc le mode de jeu capture de zone. Alors peut-être que Rockstar a décidé de refaire la même chose en rajoutant un tout nouveau mode de jeu, en faisant une mise à jour de GTA Online, le mode de jeu se nommant Rhino Hunt. Et dans cette mise à jour nous pourrons peut-être trouver de nouvelles voitures, de nouvelles armes ou de nouveaux vêtements. Ça c'est mon avis personnel et c'est mon hypothèse. En tout cas c'est vraiment bizarre qu'il nous rajoute un mode comme ça d'un seul coup. Bon c'est vrai, après il l'avait déjà fait lors de la Thanksgiving, il nous avait rajouté un mode de jeu sans rien après, mais en tout cas c'est une hypothèse et une question qu'on peut se poser. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo d'information. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher vos avis dans l'espace commentaire, un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez ciao, bye bye tout le monde.